Attention. Répartissez-vous dans la pièce, c'est plus facile de les attaquer quand ils spawnent. Oh là, c'est, il a un gros ML devant lui. Eh oui, moi j'électrifie les ennemis. C'est, oh, franchement, le truc électrifié, c'est nice. Ouh, oh, j'ai un moins bon arc. Alors là, messieurs. T'as eu quoi? Alors là, messieurs, j'ai eu une pioche en diams. Ah. Enchanté. Non. Ah. Je peux avoir gel dessus, tonnerre. Du gel de tonnerre. Tonnerre, c'est bien ça. Tonnerre de. J'ai des chances de peut-être invoquer un éclair qui va attaquer les ennemis autour. Ouh, nice. Non, mais c'est qu'ils font un petit peu mal, hein. Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est, ah, que ça? Une armure. Un arc tout pourri. Un arc tout pourri. Armure de chasseur encore. Une armure exactement identique à celle que j'ai. Quoique, elle est un peu mieux en vrai. C'est ça le pire, c'est qu'il m'indique pas. Les gars, elle est techniquement mieux, elle peut avoir deux enchantes à la fois. Donc en fait, elle est mieux, mais il m'a pas indiqué qu'elle était mieux, ce qui est un peu bizarre. Ah. Oh, j'ai le électrifié. Oh, nice. Oh, ça, c'est bien. Et puis, j'ai cadeau surprise. Quand vous utilisez une potion de soin, vous créez parfois des consommables au hasard. Ok. Je suis mort. Emel est mort. Emel est mort. Ce ah, soir... je suis coincé dans une toile, je peux pas les soigner. Soigne. Merci. Attention beaucoup. T'es sérieux? Alors, attendez. Attention. Oui, 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 oui. Meurs pas, Emel, meurs pas. Seul espoir, là. C'est notre seul. Notre il faut seul pas espoir. Que tu meurs, vraiment, hein. Fais attention. Ok. Attention. Ah, c'est mort. Ça va être de pire en pire. Ouais, non, ça va être mort, à mon avis. Bah, c'est mort. T'aurais dû régénérer directement, en vrai. Vas-y, 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 vas-y. Si t'arrives à en régénérer au moins un. Oh là là. Déjà mieux. 6, 5, 4. 3, 2, 1, c'est mort pour moi. Ah! Non! Oh la vache! Oh la claque! Damn! Un creeper, hein. C'est pour ça que je dis les creepers, il faut... Ouais, faut faire attention aux creepers. On a plus de vie derrière. Ouais, faut pas qu'on meure. Attention, y a... Attention, creeper chargé. Oh mais... Oh fuck! J'ai pas fait une bonne roulade. Salut. Ouais. J'ai voulu rouler, j'ai roulé dans le mauvais sens. Attention, y'en a un autre. J'ai fait exactement le même problème. J'ai roulé dans le mauvais sens. Facile, ouais, facile. Attends, il faut vite aller sauver ML. Vite. De la rapidité. Attention. Aidez-moi, messieurs, aidez-moi. Vas-y, raise-le. J'essaie de défendre pendant ce temps-là. Merci bien. Sans vous, je ne suis rien. Je suis coincé là. Va pas trop loin, Edo. Reviens. Quête. Justement, je m'inquiète. Regarde, j'ai absolument toute ma vie. Bah non. Moi presque. Pas du tout. Y a quelque chose ici? Non. Y a un levier. Ah. Ouvrez les portes. Ah, je le sens mal. Est-ce que c'était un bon choix? Oui. Ce fut un choix différent, dirons-nous. Oh, le coup des éclairs, c'est tellement pété. Yes. Hé, mon chien, attaque. Ah, tu peux attaquer je vais à travers. Un petit peu, hein. Putain, il m'a défoncé, lui. Je crois que les creepers peuvent exploser aussi à travers. Hein. Ouais, attention. Hein. Tiens, oh. On a tout exploré là, il manque encore des trucs, hein. On n'a pas regardé sur les côtés. Hein. Attendez. Ouais, j'attends. On a manqué sur les côtés et puis il me adieu semble qu'il y a un coffre loup, qui est apparu, bande de... Bande de... On savait, aurait ça avec ML. Je l'ai vu avec Tab. Elle est pourrie cette épée, recyclée, go. Il y a quelque chose ici? Ou c'est... Non, c'est juste rien. C'est rien. Attendez, et de l'autre côté, il y avait quelque chose, on n'a vu rien. J'irai plus vite que toi. Y'a rien. Attendez, je vais voir un peu si j'ai looté des trucs. Non, juste une pire armure. Y'a un coffre ici. Oh dame. Zelda. Je casse toutes les jarres. Oh dame, y'a des jarres aussi. Non, c'est moi. Trop tard. Ah.
C'est bon, j'en ai eu. 730, hein. Yes. Donc le bouquin, c'est la suite, hein. Faudrait peut-être qu'on fasse les autres zones. Attendez. Non, c'était ce qu'on devait récupérer. Yep. Creeper, attention! Creeper! Creeper! Je vais bien. Creeper! Beaucoup de Creeper! Ça va. Il y a un zombie aussi qui a l'air vénère là. Au niveau supérieur. Yes! Ça régène la vie en plus, c'est cool ça. Oh damn. Doucement, doucement, Edo. Pas trop loin. Il y a quelque chose ici, il y a une statue bizarre. Ouais. Au revoir la statue bizarre, vous avez vu là? Oh, c'est chelou. Des fois, il y a des trucs comme ça, il y a des crânes et tu cliques sur le crâne, ça ouvre un passage. Bah là, il y a rien. Yep. Attention! Ouf. Je t'ai sauvé, toi! Un moment. Mais non, mais non. Mais t'es maîtrisé. Attends. Ah, il y a quelque chose là. Il me semblait bien. Attendez, oh. Là, on fait une petite pause, on regarde un petit peu si on petite a eu du meilleur regarder. Stuff. J'ai une épée meilleure, cette épée est pourrie. J'ai eu 3 épées qui sont pas meilleures. Par contre, j'ai eu une pioche avec vampirisme, donc je pense que je vais me prendre la pioche. J'ai que de l'équipement moins bien, moi, depuis tout à l'heure. Attention, oui, il y a des grands creepers, il y a des grands creepers là. Je m'en vais. J'ai plus de flèches. Recule, Edo. Laisse le chien peut-être s'en charger s'il veut bien. Oh, dame. Ouais, il vaut mieux les gérer à distance. Ils sont beaucoup là. Ah, là, yes. C'est compliqué. Hein. Attendez, je vais bientôt avoir ma roquette. Viens dans le couloir ici. Ah, bah tiens, ils ont explosé. Voilà. C'est bon. Ça marche. Le chien, il a tout géré du coup. Merci le chien. Merci le chien. Du coup, je sais pas vraiment où il faut aller. Hein. Dans ton. Postérieur. Bah il suffit de suivre le... Suivre ah mais tu... Je te suivais mais en fait fallait pas te suivre, t'as dépassé. T'as dépassé. T'as juste été là où tu voulais en fait. Moi je suivais les flèches jaunes hein, depuis le début. En fait pour y remédier à ça, ce que je vous conseille de faire c'est tab. Comme ça vous avez le ouais, chemin. Mais lui il faisait tab mais il suivait pas non plus les flèches jaunes sur l'écran. Bah non je regardais la map moi. Vous l'avez passé, non? Oui, c'est oui, hein, on l'a passé. Oui, on l'a passé, oui. Te jure, quoi. Plus jamais je le suis, mais. Non, mais j'ai été influencé par Edo avec son tab. J'étais obnubilé par la map après. Hein. Et en fait, il y a encore une grande zone à explorer. Hein. Ah oui, damn. Merci le jeu. De nous offrir plus de choses à explorer. Quand on disait que ça prenait une heure, c'était pas. Attention, je vais le balancer. Ah! C'est bon, tout va bien. Ah oui, c'est la fin là. C'est carrément la fin. En fait, attendez, il y a des trucs à explorer. N'allez pas vers la fin. Je suis invisible. On doit explorer le reste, attends. Et... Ah oui, il y a encore toute une branche énorme. Quand on disait attention, que ça prenait une heure, c'est pas pour rien. Hein. Ah oh fuck! Oui, y a du monde ici. Je suis dans l'étoile! Ah! Oh, j'ai survécu! Damn! Je ne sais pas comment. Revenez un peu en arrière là. Ah, je suis bloqué oui, aussi. Oui, c'est ça que je dis. Revenez en arrière parce que c'est dangereux. Avec l'étoile ah, d'araignée. Ah, je suis mort. Ah! J'ai pas de potion avant un moment, moi. En vrai, je suis en résistance là. Mourir! Je vois même pas sur quoi je tire juste dans la direction. Tiens, il y a une pomme là. Il y a une pomme, je vais la prendre. Hop. C'est vraiment en bas, moi. J'ai du lifesteal, donc si j'arrive à taper des mobs, je récupère ma vie, moi. Je prends juste un peu de temps des fois. Ah ouais, j'ai pas mal récupéré de vie. Ok. Ouf, je n'ai pas passé loin, je pense.
Non. Oh. Il y a un autre bouton. Il y a un autre bouton et c'est la dernière pièce. J'appuie, j'ai appuyé. Bravo. Yo. Pas mal la petite flèche, pas mal. J'ai bien aimé. Nice. Ouh. Armure d'archer. Et moi elle est moins bonne que celle que j'ai. 52 de santé, waouh. On a fini. Rouge hein unique. Oui, oh damn, en rouge unique, ouais, ça doit être pas mal. On a fini, hein. Oui. Donc on peut sortir. Hein. Sortons. Ah oui, on n'a pas encore débloqué l'autre marchand qui donne d'autres trucs là. Points encore. Qui est forgeron. Bah, cool. je vais ouvrir 12 trucs au forgeron. Hein. Allez, hop. Arbalète lourde. Super. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. Un coutelas. Attends. A une chance de 20% de créer une zone circulaire qui soigne tous les alliés qui s'y trouvent. C'est pas mal, c'est ça. Moins puissant. C'est moins puissant, ça. Combo fiable. Ah, un truc pour les chasseurs. Il est. Ouais, non, c'est pas terrible, ça. Je vais faire le truc de heal. Je pense que ça peut être utile. Gardez ma grosse arbalète. Ça tire moins vite, mais... Ouais, mais ça tire moins vite que la petite... Mais j'ai l'impression que ça fait les full dégâts directement, tu vois. Ouais. Comparé à l'arc. T'es pas obligé de charger. Ouh, robe d'invocation. Ah, hey. J'ai eu enfin un loot de mage, du coup. J'ai une robe d'invocation, ça, c'est pour les mages. Bonjour, monsieur. Regardez, je suis un mage. Ah, mais toi aussi. Oui. Nous sommes les sorcières. Aha. Edo, nous allons te maudire. Sorcier avec une pioche, moi. T'as vu, Edo? Merci, Bazon, pour le host. Attends. Edo, regarde, on est trop stylé, on est des sorcières. Mm-hmm. J'arrive tout de suite. Attends, regarde. Non, moi, je prends celle-là, vas-y. Même si je sacrifie un petit peu, je pense que ça vaut la peine. Regarde-moi, ML, quand je fais une roulade. Regarde. T'es prêt, ML? Ah, t'es où, ML? Regarde. Je suis là. Je fais de l'électricité et du feu. Oh, what the fuck. Ça ne sert à rien, c'est génial. Il me faut ça. Ouh la vache, ok. Serpent rouge, j'ai un arc avec un nom. Là, tu sais qu'il est puissant. Oui. Oh damn. Oh damn. Ok, alors qu'est-ce que je peux avoir? Augmentation de dégâts de plus 20%. Ça m'intéresse. Garde mon arc et... Tu veux combien? Il est trop beau, mon arc. Oh, il est classe. Tire des flèches enflammées. Non, c'est juste des flèches qui font mal, quoi. Celui-là, il fait 31 à 94 de dégâts, cet arc-là. Donc c'est pas mal. En vrai, j'ai plus besoin de ça, ni besoin de ça. Soyons honnêtes. Je peux encore tirer un haut sur un dernier truc. Et j'ai eu... Ah ! Yes ! C'est ce que j'attendais ! Ok, j'ai eu ça comme arme. Ah non, c'est pas... Enfin, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est déjà pas mal. Ça attaque vite. Ça fait pas mal de dégâts. Ça fait les flèches aussi. Enfin, les chaînes. Ah ouais, ouais. Ça stoppe les mobs, les chaînes. Bon, ok, j'y vais. Hein. Moi, j'envoie des éclairs. Je suis tort. Tu aurais. Eh, le chien attaque. Du coup, on va faire le champ de citrouille. Et du coup, allez, ça complétera tout le truc de la bêta. Et puis après, comme ça, au prochain épisode, on fait vraiment le nouveau contenu jusqu'à la fin du jeu. Et après, je rappelle que le jeu, on peut le refaire en plus difficile et puis le refaire encore plus difficile. Donc ouais, là, vous voyez, on est par défaut. Et puis on a aventure. Et puis on a apocalypse. Donc on le fera en apocalypse, bien sûr. Bien entendu. Bien évidemment. Donc champ de citrouille niveau 27, ma gueule. C'est parti, mon kiki. Je sens qu'on va avoir mal. Est-ce que je laisse la cinématique du coup? Parce qu'on l'avait déjà vu dans la bêta. De toute façon, la cinématique, c'est l'Archidager, il est méchant, c'est un petit con. Et voilà. Alors lui, le booster. Oh, je l'ai défoncé, t'as vu ça? Je l'ai roulé dessus. J'ai récupéré une armure pour la peine. J'ai récupéré une épée, moi. Ouh, 22 le niveau de l'épée, damn. J'ai rien récupéré. C'est parce que tu es petit. Ouais, elle est pas mal cette épée, je vais la prendre. J'aimais bien la petite épée que j'avais là, mais c'est quand même mieux. Je vais utiliser le truc... Oh, tonnerre.
Allez, je prends le tonnerre, tonnerre de Dieu. Je régène ML. Je peux pas t'aider. Ah, je vais mourir. Moi aussi. Ah, terminé. On se fait défoncer. Mais le problème, c'est qu'il était derrière les arbres et on avait du mal à le voir, moi. Oh bah là. D'ailleurs, je souligne que c'est quand même Auré qui est mort en premier, c'était pas moi. Non, c'est toi qui es mort en premier. Ah non, t'es mort. Non, c'est moi, j'ai sauté dans moi, on m'a ressuscité. Oui, je t'ai ressuscité après. Bon. Donc c'est toi qui a lancé la chaîne d'événements qui nous a tués. Ah d'accord, donc c'est ma faute tout ça. Ok. Oh là, il y a du monde là. Oh là 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 là. Il y a un peu de monde, oui. Un peu de monde partout. Oula vache, oui, revenez un peu en arrière. On va se les faire tranquille. À distance. Quand on a nos pouvoirs. J'ai pas de flèche, moi. Recule, Mel. Faut s'occuper des plus gros d'abord. Les plus petits tomberont vite. Ah, voilà, on défonce tout le monde. J'ai utilisé mon truc qui me permet d'attaquer plus vite. J'aurais dû laisser la pomme à Edo, je pense. Ah, j'ai une TNT du coup. Attends, j'essaie de la balancer là où il faut, là. Oh, venez, 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 voilà. Bon, ça a aidé un petit peu. Ah, Emel, c'est bon? Ouais, Emel. Ah oui, ça te régène la vie, le fait de... On peut monter là-haut, par ici. Hop, il y en a d'autres. Oh la vache, ils sont très nombreux. Aïe, aïe, aïe. Reculons. C'est bon, c'est je les ai un peu dangereux. Je les ai eus. Il y a un boss, là, enfin il y a un mini boss, voilà. Nanananana. La foudre. Oh damn. Okay. Ils ont même pas eu le temps de spawner, quoi. C'est bon. C'est bon. Faut activer les leviers. Je vais activer le levier. Il est déjà activé. Bon. Là-bas, oui. Ouvre le coffre. Oh, ah, moi. Je sais plus si flèches. Ah, j'aurais dû te laisser les flèches, Funk. J'ai oublié. J'ai plein de flèches, du coup. Ah, bon, je joue plus aussi à l'arc. C'est bon. Il y a vase là. Ouais, t'as essayé de me tirer dessus là, je t'ai vu. Il y a vase. Ah, y a rien par là-bas. Non, y a rien. Continuons notre progression, aventurier. Ah, le chien est revenu. Mais je l'ai appelé. Tu l'as appelé quoi? Non. Oh, je l'ai appelé Boris. Ah, ah oui. Dis-moi, il est... Il fera attention à ses balls. Il fera attention aux barrières. Oui. Ok. Il y en a plein par ici des barrières. Ok, ça va être le boss. Attendez que tout régène là. Ouais, régénérer vos pouvoirs, ça va être le boss. Dès qu'on sonne la cloche au milieu du village. Ok, vérifie aussi. Non, c'est bon. Ok. T'es prêt, Emel? I'm ready. C'est parti. Ding dong dong dong, vaut mieux se répartir, les mobs vont apparaître partout autour de la place. Enfin, pas trop loin, hein. Restez près de la place. Très bien. Comment gaspiller une flèche? Aïe aïe aïe. Oui, au début ça va, y'a pas besoin des méga pouvoirs. Y'a un mec qui boost. Il est mort. C'est bon, on va pas tarder à tomber sur le boss. L'homme là. Évocateur. Vas-y. Aaaaah. Mais dis donc, c'est qu'ils font mal, les petits, là. Ouais, les petits font mal. Je l'ai bien défoncé, là, l'évocateur. Vous avez vu ça? J'ai fait la moitié de la vie au corps à corps, là. Ouais, là il prend cher. Hein. Boum. Je vais le finir. Ah non, c'est bon, il est mort. Ah bah tiens, des merdes. Merci. J'ai une TNT, tenez, je vous l'offre. Oh, je suis con.
putain. Ah ouais, et bah pour la peine, je clique. Non. Et c'est le moment des loot box. Et d'ailleurs, oh, on a marchand voyageur. Ouais, on a l'autre gars. C'est oh, mieux. Mais oui. Mais c'est, alors lui, c'est pour avoir des pouvoirs. Ah. Donc si tu veux un pouvoir, une c'est autre lui. Épée, moi. C'est l'autre alors. Je vais quand même essayer lui un petit peu parce que genre j'aimerais améliorer un de mes un pouvoirs. Coup de fil. Et oh, les bottes de célérité, c'est sympa. Mais. Oh, la canne à pêche, ça sert à rien. Ouais, oh, allez, j'accepte. T'as vu ma belle pioche? Du coup, elle a une aura de feu. Ce soir. Et t'as déjà vu d'ailleurs, tu avances selon là où tu cliques, donc tu peux faire ça. La 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 la. Attends, je te rattrape, Mel. Non. Je vais t'avoir. Tu m'auras pas. Il faut aller encore plus lent. Oh là, c'est bien lent, là. Oh, oh putain, toi, moi, toi tu fais du surplace. Bon, bah, du coup, c'est tout pour ce deuxième épisode de Minecraft Dungeon. On espère que vous avez bien apprécié. On a fait tous les donjons, du coup, que vous aviez vu dans la bêta, même si on commence à voir, bah, par exemple, il y a une halbarde. C'est nouveau. Donc, on va commencer à avoir beaucoup plus de trucs nouveaux pour ceux qui auraient beaucoup suivi la bêta. Maintenant, on est vraiment sur le contenu. Évidemment, bon, pour le moment, ça spoil pas encore trop. C'est vers les dernières missions que ça spoil assez bien l'histoire, apparemment. Donc, là, ça devrait aller pour les prochaines missions. Du coup, ouais. Les épisodes, je rappelle, ce sort les mardis et les samedis normalement, comme les aventuriers. Et voilà, c'est tout. Du coup, n'hésitez pas à suivre les chaînes Twitch de ML et Edo afin de ne pas manquer les séances de tournage. Moi, je ne fais que record, évidemment. Donc, vous avez les épisodes ici sur la chaîne. Et c'est à peu près tout. Si vous aimez toujours cette série, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pouce rouge ou un commentaire. Ciao. Des bisous, abonnez-vous à la chaîne. Texama.